Bonjour. Les gens ont du mal à maîtriser la grammaire de la langue française, comme c'est illustré dans cette vidéo. Parce qu'il y a le COD avant. Oui. On n'accorde que avec le verbe être et avec le verbe avoir que si le COD est placé avant. Et là, on le fait. Parce que manger ES. COD, banane, c'est ça. Bravo, ce sont les bananes, féminin pluriel, qui ont été mangées. La réponse est effectivement EES. Nous avons poursuivi notre recherche tout simplement à TF1, au service Relations Humaines, où des centaines de CV arrivent chaque semaine et là aussi, il y a des surprises. L'offre d'emploi que vous proposez, il faudra un Z, cette même candidate qui est à la fois diplômée d'une licence, avec un C, et passionnée d'œnologie, sans U, un conseil, relisez vos CV et vos mails de motivation. Clairement, à compétence égale, une faute d'orthographe, une faute de frappe, peut être rédhibitoire. On dit que les Françaises sont meilleures que les Français, que les seniors sont plus doués que les jeunes, et que l'ordinateur, avec son tristement célèbre correcteur d'orthographe, nous a rendus paresseux. Mais il est vrai qu'il suffit de regarder dans les magasins pour être effrayé par notre inculture. Voici un petit florilège entre le lot de caleçons, les produits que l'on veut ménager, et notre préféré, la boutique fermée jusqu'à nouvel ordre. Faut-il s'inquiéter? Bien sûr, la réponse est oui, dans la mesure où le problème vient de l'enseignement lui-même. Car certaines choses qu'on nous enseigne sont inexactes et d'autres sont mal expliquées. Avant de continuer, histoire que les gens comprennent que je suis sérieux et qu'on ne dise pas que c'est moi qui vais changer les règles, je vais vous montrer un extrait qui contredit certaines règles de la grammaire. Ici, on voit bien écrit que le complément d'objet direct est également appelé complément de verbe. Et ici, c'est écrit que le complément de verbe ne peut être déplacé en tête d'une phrase. Ce qu'on vient de voir contredit cette règle qui dit que le participe passé employé avec le verbe avoir s'accorde avec son complément d'objet direct seulement si le complément d'objet direct est placé devant le verbe. Dans la phrase, les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes, le fleur est considéré comme complément d'objet direct, le complément d'objet le fleur. Et pourtant, le fleur se trouve en tête de la phrase, ce qui est complètement contradictoire avec ce que c'est l'extrait qu'on vient de voir. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des erreurs dans les manuels scolaires. On ne va pas parler de ça pour l'instant. Donc là, on va continuer la correction de la vidéo. Donc, dans la phrase les bananes que j'ai mangées, on ne fait pas l'accord entre verbe manger et les bananes. Je vais prendre un exemple similaire, dans lequel on distingue le masculin du féminin lorsqu'on fera l'accord. Exemple, dans cette phrase, la fille que nous avons interdit de cours. Si je suis ce qu'on nous apprend, je dois dire ou écrire la fille que nous avons interdite. Donc, il faut faire l'accord entre interdire et la fille. Sauf que, question, c'est quoi faire un accord? Pourquoi on accorde un verbe à un mot? Lorsqu'on accorde un verbe à un élément, c'est-à-dire que cet élément est concerné par le verbe. Donc le verbe parle de cet élément. Ce qui veut dire que, quel que soit le temps de conjugaison, logiquement, le verbe parlera toujours de cet élément, parce que le verbe exprime l'acte. Donc, logiquement, il y aura toujours l'accord, quel que soit le temps employé. Or, si on met la même phrase, au futur simple, on constate que l'accord disparaît. Il n'y a plus d'accord. Là, nous avons interdit. Ici, nous interdirons
Donc, interdit, on n'a plus rien à voir avec la fille. Donc, forcément, il y a une anomalie. S'il n'y a pas d'accord ici, il ne peut pas y avoir non plus. Parce que l'accord ne se fait pas selon le temps pour dire que au passé composé, on fait l'accord, on accorde. Au futur simple, on n'accorde pas. Non. L'accord se fait selon la voie. Il y a la voie active et la voie passive. Voie active, on n'accorde pas. Voie passive, on accorde. Voie active, c'est quoi? C'est lorsque le sujet agit. Donc, c'est lorsque il fait l'acte. Donc, c'est ça la voie active. Et voie passive, c'est lorsque le sujet subit l'acte. Voilà. Donc, en regardant bien, si vous voyez bien ici, donc, la fille que nous interdirons, donc on voit bien que là nous agissons. Donc, c'est voie active. Et voie passive, ça donne la fille qui a été interdite de cours. Là, on accorde. Vous verrez que, donc, comme on voit là, si on met au futur simple, qui est le même temps que celui-ci, il y a toujours l'accord, la fille qui sera interdite. Donc, l'accord, il y est toujours. Donc, quel que soit le temps qu'on employera ici, dans cette phrase, il y aura toujours l'accord. Parce que le verbe exprime bien ce que la fille subit. Le verbe concerne la fille et c'est la voix passive. Donc, voilà pourquoi on accorde toujours. Or que là, ce n'est pas la même chose. L'accord, donc, ça dépend de certains temps. Mais comme j'ai dit, en regardant bien ici, donc, c'est la voix active. Ce qui veut dire que là aussi, forcément, c'est la voix active. Parce que c'est le même acte. C'est seulement le temps qui change. Donc, on ne peut pas que pour les mêmes choses, dans un temps, le verbe exprime une chose, mais en changeant de temps, le verbe exprime une autre chose. Non. La confusion vient du fait que là, donc, on est embrouillé par le mot du participe passé. Donc la confusion, c'est du fait qu'on apprend aux gens à accorder le terme du participe passé au lieu d'apprendre aux gens à accorder un verbe. Parce que c'est le verbe qu'on accorde et non pas le participe passé. Même quand il s'agit de mots, comment, d'une phrase du participe passé, c'est le verbe. Parce qu'il y a seulement un seul mot, il n'y a pas d'autre, mais il est au participe passé. Donc, on accorde en tant que verbe, mais non en tant que terme du participe passé. Donc, ce qui fait que, en essayant pas aux gens accorder le verbe, mais seulement le participe passé, les gens, une fois qu'on voit le terme du participe passé, on se précipite à savoir si on fait l'accord ou pas, hein, au lieu de tenir compte de la phrase. Donc, voilà le problème. Donc, dans cette phrase, la fille que nous avons interdit de cours, donc, on n'accorde pas. Il n'y a pas d'accord. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, il y a cette règle qui dit que le participe passé s'accorde au complément d'objet direct si celui-ci précède le verbe. Oui, mais sauf qu'ici, il n'y a ni complément d'objet ni participe passé. Je m'explique. C'est quoi un complément d'objet? Pourquoi on dit complément d'objet? Un exemple.
La fille a été interdite de cours. En parlant d'objet, on va dire que la fille a fait l'objet d'une interdiction. Donc la fille qui a été interdite de cours, elle a fait l'objet d'une interdiction. Donc quand on dit objet, c'est de cet objet qu'on parle. Et non de l'objet de choses, trucs, machin. Et comme on dit que complément d'objet, donc c'est, ça s'appelle aussi donc, complément de verbe. Donc en parlant d'objet, c'est le verbe qu'on parle. Alors, comme on dit que c'est complément du verbe, c'est donc qu'il y ait, c'est pas logique, et que le mot qui complète le verbe soit tout au début. Mais ça serait plutôt, l'élément principal de la phrase et non un complément. Parce que complément, c'est quelque chose qui vient pour compléter. Alors que là, c'est là où on commence. Donc, c'est de la fille qu'on parle. Ça ne peut pas être un complément. Alors, c'est quoi si ce n'est pas un complément? Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la correction. Donc, on dira que le sujet du jour, c'est la correction. Parce que on parle de la, on fait la correction. Donc, c'est ça le sujet du jour. Et ici, on parle de la fille. Donc, la fille, c'est le sujet de la phrase. Et non complément. Parce que le sujet, c'est quoi un sujet? C'est la chose dont on parle. Et ici, on parle de la fille qui a fait, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Maintenant, quand on dit que ça, c'est le complément d'objet direct, il y a une chose qu'on dit. On dit qu'une phrase complète est composée d'un sujet, qui serait celui-ci, d'un verbe et d'un complément d'objet. Oui, mais maintenant, la phrase complète, n'est-ce pas? Dites à quelqu'un, bonjour monsieur ou madame, la fille que nous avons interdite de cours. Dites-lui c'est ça. Mais vous verrez la réaction de cette personne. Déjà, elle ne va pas vous comprendre. Donc, elle va vous demander, oui, mais alors, la fille, elle a fait quoi? Et qu'est-ce qui se passe avec la fille? Donc, on vous demande de compléter la phrase. Parce que, mais pourtant, selon ce qu'on voit, la phrase a tout ce qu'il faut pour qu'elle soit complète. Sujet, verbe et complément. Eh bien non. Donc si on demande, si la personne ne comprend rien, c'est parce que la phrase est incomplète. Et c'est cette chose qui manque, qui reste accordée à la fille, avec la fille. Donc je dirais par exemple que la fille qui a été interdite, que nous avons interdite de cours, était présente. Donc, comme on a dit, elle a quoi que, donc, c'est la question qu'on pose quand on cherche un complément. Donc, justement, elle était présente. Elle a, donc, c'est ça le complément. Donc, la fille féminin du singulier, donc, présente féminin du singulier, donc, c'est ça le complément qui s'accorde avec la fille. Donc, ça, c'est pas un complément. Et ça, c'est le verbe. Maintenant, donc, ça c'est le sujet, comme on veut dire. Ça, le verbe, et ça, le complément. Et ça, c'est quoi alors? Mais que nous avons interdit. Mais ça, c'est juste une parenthèse qui vient pour préciser de quelle fille il s'agit. Donc, la fille que nous avons interdit de cours. C'est juste pour préciser de quelle fille il s'agit. Donc, on dirait que
ça vient pour compléter le sujet. Donc, ça aussi, ça fait partie du sujet. Donc, tout ça, c'est le sujet. Parce que si on voit bien, on parle de qui? On parle de la fille que nous avons interdit de cours. Donc, c'est pour cela que la phrase n'avait pas de sens. À dire à quelqu'un, on vous demande de compléter, parce qu'elle était complète, puisqu'elle n'est composée que du sujet. Tout ça, c'est là que le sujet, et rien d'autre. Même s'il y a des verbes et je ne sais pas quoi, mais c'est une mini-phrase qui vient pour préciser de quelle fille il s'agit. Et ça, ça ne peut pas être. Et ça, justement, ça ne peut pas être le complément. Parce que ça, ce n'est pas une suite de la phrase. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, la suite de la phrase, c'est celle-ci. Parce que ça, on peut s'en passer. On peut enlever ça, justement, un exemple. Je dis... La fille était présente. Donc, ça, on peut s'en passer. Il n'y a pas de problème. Je suis dit que à quelqu'un que la fille était présente, la personne aura compris qu'est-ce que j'ai dit. Mais ça, c'était parti qu'avec ça, la phrase n'a pas de sens. Maintenant, une chose. Avec cette phrase, la fille était présente, vous serez d'accord avec moi. Si je demande quel est le sujet, c'est la fille. Et ça, c'est le verbe, et ça, c'est le complément. Maintenant, comme on ne sait pas de quelle fille il s'agit, je vais préciser. Donc, je rajoute, c'est la fille que nous avons interdit de cours. Donc, le fait d'avoir juste à rajouter une précision, et la fille cesse d'être un sujet pour devenir un complément d'objet direct. Ça n'a aucune logique. Parce que la phrase dit une seule chose. La fille, je ne sais pas quoi, ou quel que soit, était présente. Tout ce qui suit va avec la fille. Donc, alors, le fait d'avoir précisé, si, sans la précision, la fille, c'est le sujet. Mais si on précise de qui il s'agit, quelle fille, ça cesse d'être le sujet. Ça devient un complément. Ça n'a pas de sens. Donc, jamais ça pourrait être un complément. Maintenant, une chose que j'ai dit tout à l'heure, et non pas une chose que j'ai dite, comme on nous apprend. Donc, une chose que j'ai dit, il n'y a ni complément, ni participe passé. Et pourtant, il y a bien un terme de participe passé. Mais sauf que il n'est pas tout seul. Il est accompagné de avant. Et ce qui fait que ça forme un verbe composé. Donc, une fois, un participe passé associé avec un auxiliaire, donc ça donne une autre chose. Et le participe passé cesse d'exister. Donc ça devient un verbe composé, en l'occurrence, donc, passé composé. Si on mélange la farine avec la levure, ou c'est qu'on fabrique un produit alimentaire, d'abord, ça cesse d'être la farine et levure, ça devient de la pâte. Donc on ne va plus l'appeler farine, mais c'est de la pâte. Mais le produit final, ça sera du pain, gâteau ou des beignets. Donc et la farine aura disparu. Mais c'est pareil. Donc une fois
que ça devient un verbe composé, mais le participe passé n'existe plus. Donc, on ne tient plus compte de ça parce qu'il est associé à un auxiliaire. Le participe passé, c'est ça. La fille interdite le cours. Donc, c'est ça le participe passé. Donc, cette phrase est au participe passé, mais celle-ci, c'est au passé composé. Donc, il n'y a pas de participe passé là. Mais justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est le fait d'avoir appris aux gens à accorder le terme du participe passé, au lieu de l'apprendre d'accorder un verbe entier. Parce que le verbe ici, c'est avant interdit. C'est pas seulement interdit tout court. Donc voilà pourquoi je dis que là, il n'y a pas de participe passé. Maintenant, en parlant de faire un accord pour accorder, il existe l'accord en nombre. Un genre qui peut être masculin ou féminin, qu'on fait avec participe passé, mais il y a aussi l'accord à la personne. Personne qui est, par exemple, j'ai, tu, il, nous, vous, il. Donc, ça donne première, deuxième ou troisième personne du singulier ou du pluriel. Donc, et ça, on le fait avec l'auxiliaire qui est là. Donc là, comme on voit avant, avant, c'est, ça correspond à quoi? C'est verbe avoir. Première personne de pluriel qui est nous. Donc cet avoir-là, il va avec nous. Donc il est accordé à nous, avec nous. Mais sauf que ici, il ne s'agit pas de verbe avoir. Ici, c'est le verbe interdire. Et avant, il n'est pas en tant que verbe, mais en tant qu'auxiliaire. Il ne faut pas confondre l'auxiliaire et le verbe, ce n'est pas la même chose. Un verbe, on peut le remplacer. Et un verbe est indépendant. Un verbe avoir, donc on peut le remplacer par le verbe posséder. Mais l'auxiliaire, on ne le remplace pas. Et il est indissociable du participe passé. Donc voilà. Donc, ici, donc, c'est comme je dis, c'est le verbe interdire. Et donc, il est associé à avant, en tant qu'auxiliaire, ce qui fait que ça donne un verbe composé. Mais le fait qu'interdire soit associé avec avant, et qu'avant soit accordé avec nous, à nous, donc le verbe entier fait accord avec nous, ce qui fait que ça ne peut plus s'accorder avec la fille. Parce que un verbe ne peut s'accorder qu'à un seul élément et pas deux. Et que donc, avant, plus interdit, ça fait pas deux verbes, ça fait un seul verbe. Et que donc, que le verbe, il est déjà accordé à nous. Donc, on ne peut plus accorder à fille. Donc, voilà que dans cette phrase, la fille que nous avons tenue de cours, donc, il n'y a pas d'accord, on n'accorde pas. Et c'est pareil que dans la phrase de la vidéo. C'est pareil. Donc ça, c'est une phrase similaire. Donc là non plus, il n'y a pas d'accord. Parce que, donc on voit déjà un, que j'ai mangé, si on met au futur, ça donne les bananes que je mangerai. Donc, c'est la voix active et non pas voix passive. Donc, il n'y a pas d'accord de passif pour passer, déjà un. Et deux,
le verbe ne parle pas de banane, n'exprime pas, le verbe n'exprime pas ce qui arrive aux bananes, mais exprime ce que j'ai fait, j'ai mangé. Donc, exprime pas ce qui arrive aux bananes. Donc, si donc, le verbe ne dit pas que les bananes ont été mangées, donc, on n'accorde pas. Comme je dis, c'est pareil avec cette phrase. Cette phrase-là, si dites à quelqu'un les bananes que j'ai mangées, c'est pareil. Donc, la personne n'aura rien compris parce que la phrase est incomplète. Pour compléter, je dirais que les bananes que j'ai mangées étaient savoureuses. Donc, voilà ce qui fait le complément. Donc, que ça s'accorde avec les bananes. Banane, féminin pluriel, savoureuse, féminin pluriel. Et voici le verbe. Et ça que j'ai mangé, c'est juste pour préciser de quelle banane il s'agit. Comme on vient de voir, il y a beaucoup de règles dépourvues de logique et que moi j'appelle des règles artificielles. Donc ce sont des théories sans base, donc des théories qu'on ne peut pas mettre en pratique. Et c'est pourquoi il y a beaucoup oublient ce qu'ils croyaient avoir appris. Et parce que les choses, ils n'ont fait que mémoriser. Ils n'ont rien compris. Et parce que les choses qui manquent de logique ne trouvent pas de place dans le cerveau. Et voilà aussi pourquoi d'autres ont du mal à comprendre les choses. Un exemple. Dans ce calcul, 3 fois 4, c'est égal à 12. Au moins, donc là, c'est. En théorie, c'est ça. Mais logiquement, ça veut dire quoi? 3 fois 4, ça veut dire que 4. Et il est 3 fois plus 4 plus 4 plus 4. Donc 4 plus 4, 8 plus 4, 12. Mais même si. Donc, et en pratique, ça veut dire quoi? Donc en pratique, ça veut dire que donc, 4, on compte 4 bâtons. 1, 2, 3, 4. Plus 1, 2, 3, 4. Plus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, voilà. Ça veut dire qu'en maths, une fois qu'on a appris une chose, une fois qu'on a compris, on n'oublie plus. Parce que c'est 100% la logique. Hein? Même si on est perdu, du moment qu'on connaît le pourquoi du comment, on va toujours s'y retrouver. Même si c'est énorme comme calcul, que 9, 8, 7, donc 9872 fois par exemple 475, du moment on sait, du moment qu'on connaît les bases, donc on va se retrouver facilement, puisque on sait comment faire. Hein? Donc, par contre, pour la grammaire de la langue française, c'est pas la même chose. Hein? Surtout quand on voit, quand il y a ce genre d'exemple où on voit, on voit que le complément d'objet direct tout en tête de la phrase, sans savoir pourquoi. Et comment ça se fait sur des pêches en tête? Et surtout qu'en réalité, ce n'est même pas un complément d'objet direct. Donc, ça perturbe énormément les gens. Les gens sont complètement égarés. Surtout quand on voit que les manuels, les manuels scolaires disent tout et son contraire. Donc les gens ont du mal à choisir. Pour faire un peu de Johnny, je vais vous dire que mon cerveau a du mal à choisir entre tout
ou le contraire, ou les deux. Et pour ceux qui ont du mal, donc ils ne choisissent ni l'un ni l'un ni l'autre. Et ça donne quoi? Ça donne les homards matués. Avec R. Tellement on a du mal à choisir. Donc, on va mettre un verbe non conjugué. Et pour ceux qui adhèrent à la méthode, ils diront que Omar m'a tué. On accorde, puisqu'il s'agit d'une fille. Mais sauf que la grammaire correcte, c'est Omar m'a tué. Il n'y a pas d'accord parce que c'est la voix active. Le verbe exprime ce que Omar a fait et non pas ce que la victime a subi. J'ai bien dit grammaire correcte. Et je n'ai pas dit phrase correcte. Parce que la phrase correcte est Omar est innocent. Là, on est clair là-dessus. Voilà. Et conclusion. Donc, l'enseignement est fait sur les bases non fondées. Et ce qui fait que les gens ont du mal à capter la matière. Bien sûr. Il n'y a pas que le problème de partie passée, il y a d'autres choses, comme par exemple, il y a près de mots homophones qui s'écrivent de façon différente et qu'on lit de la même façon dans les verbes, par exemple, et que les gens ont du mal à faire la différence entre, par exemple, le futur simple et le conditionnel, par exemple, et parce que ça se lit de la même façon, alors que ça s'écrit de façon différente. Oui, mais ça c'est secondaire. Donc le principal, c'est le fait qu'il y ait des choses contradictoires dans le manuel. Donc, si on veut que quelque chose s'améliore, donc il va falloir revoir le manuel scolaire de fond en comble, aussi bien sur le fond que sur la forme. Parce que si le crabe marche de travers, mais comment ces enfants pourront marcher droit? Merci.